Savez-vous comment la bougie a été inventée? Au début du 19e siècle, on s'éclaire essentiellement à l'aide de chandelles de suif. Ces chandelles sont fabriquées à partir de graisse de mouton ou de bœuf. Elles répandent une mauvaise odeur et beaucoup de fumée. L'alternative, c'est la bougie en cire d'abeille. Mais elle coûte cher et n'éclaire pas très bien. C'est là que Michel-Eugène Chevreul entre en scène. Professeur de chimie au muséum, Chevreul explique la réaction de saponification. Cette découverte lui permet de faire le tri dans les acides gras pour fabriquer des bougies à la combustion lente et propre. C'est la bougie stéarique, elle va révolutionner l'éclairage dans les foyers. Cette histoire est l'une des nombreuses aventures scientifiques du muséum. Découvrez une petite histoire de la chimie au muséum.